meilleur, franchement, c'est la dream team de rêve, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue dans la Juju Kams Life. Moi c'est Juju, moi c'est Kams. D'habitude on vous propose surtout des vidéos de sport de glisse, mais là avec le confinement bah c'est un peu compliqué. Et du coup là on fait un nouveau concept, on appelle des potes champions dans d'autres sports que les nôtres, qui sont sportifs de haut niveau comme nous, et on va voir comment ils vivent le confinement. Ouais, parce que nous bah c'est carrément dur, on peut plus aller à l'eau, on peut plus surfer, on peut plus rider. Ouais. Donc on essaye de s'occuper comme on peut, on a fait une rampe de skate comme vous avez vu. Et donc on va les appeler et voir eux comment ils s'occupent, c'est ça. Puis comme ça, bah, on reprend un peu de leurs nouvelles et on vous les fait découvrir si vous les connaissez pas. Ouais, carrément. Et on va les appeler d'où, Kams ? Bah, venez. Pour ceux qui connaissent pas, donc ça, c'est notre QG. Donc, on tourne toutes nos vidéos à terre ici. Voilà, petite salle de sport. Hop, on tourne ici le canap et on a la rampe juste là. Donc, mercredi, on vous a montré comment on l'avait construite et dedans, on fait gagner un skate. Donc, c'est dans la vidéo de mercredi, vous pouvez aller voir ça. On va se mettre dans le canapé du QG. On commence avec qui, Kams ? On commence avec Perrine Lafont. Médaille d'or olympique en ski de boss, donc vraiment une grosse perf. Et on va voir comment elle vit son confinement. Sacrée championne. Ouais, c'est clair. Et après on enchaînera avec Mathilde Gros qui fait du vélo sur piste et qui est carrément une fire en ce moment puisqu'elle a plusieurs médailles internationales. Plusieurs titres de champion du monde, plein de titres de champion de France, d'Europe. Donc bah c'est parti, on appelle Perrine. Allez, je m'installe et on appelle Perrine. Bah du coup si tu peux vite fait présenter ton sport rapidement et présenter tes meilleurs perfs rapidos quoi. Je m'appelle Perrine Lafont, j'ai 21 ans, je fais du ski de boss. Donc le ski de boss c'est une piste avec plein de petites bosses qui fait genre 250 mètres. Du coup tu skis entre les petites bosses et puis il y a deux sauts où tu dois réaliser des saltos arrière, des corks, des backfulls et tout ça. Et tes meilleurs perfs alors Bah du coup je suis championne olympique. Mais non. Ouais, ça c'est carrément lourd. Quand tu vas nous faire tester le ski? Ouais, grave. Bah, quand vous voulez, hein. Mais le truc c'est que vous avez l'air de vous faire mal très rapidement. Ou ben oui, si vous voulez, je signerai une charte avant. Genre, je ne suis pas responsable de toute blessure ou je sais pas quoi, tu vois. Non, mais les sports de glisse c'est la dada, non? Ouais, ça c'est clair. Non mais vous mettrez genre protection, genre tête, cul, tout ce que vous voulez. Bah en soi on gère, hein. C'est comme le surf. Hein. Ouais. Je pense on en fait une fois tous les 3 ans mais on envoie le steak. Ouais, ça fait un moment quand même que vous Ah ouais, ça fait, pas. Ouais. Ça fait même plus que 3 ans qu'on n'a pas fait. Et vous alliez où? Dans les Pyrénées. Les Pyrénées, allez. Et puis bah c'est toi du sport aussi, à la plaine. Ah ouais, c'est vrai. Bah après du coup, nous on t'apprendra le surf du coup. Ouais, grave, c'est pareil, c'est comme vous. Moi ça fait vraiment longtemps que j'ai pas surfé, ça doit faire bien 4 ans je crois, sans vouloir balancer. Parce que ça, je pense qu'il faudrait quand même le dire aux gens qui vont regarder la vidéo. Hein. Parce que c'est fait. Bah vous voyez là, on est en train de faire une vidéo pour la chaîne YouTube de Cam et Juju. Vous pensez que c'est la première fois qu'on fait ça, mais non. Ce n'est pas la première fois, parce que ces artistes, ils m'ont appelé donc la semaine dernière pour faire cette vidéo. Et du coup, trop bien, on passe une heure au téléphone, on échange, enfin vraiment un discours de ouf, tu vois, bam bam, enfin c'est des trucs de malade. Enfin ça skatait et tout, tu vois, moi j'étais sur mon vélo, enfin vraiment grosse ambiance. Et du coup, ils me disent, bon, bah, c'est bon, je pense qu'on a tout, donc on raccroche et tout. Et puis, 5 minutes après, je reçois un appel de Jules. Il me dit, t'es prête à le refaire la semaine prochaine? C'est là, ma gueule. Il me dit, non, en fait, l'enregistrement, il a pas marché. Ah, j'ai pris cette voix. Je crois pas que j'ai pris cette voix. Si, donc voilà, car... de cette vidéo. En fait, on refait une vidéo parce que la dernière fois, l'enregistrement n'avait pas marché. Bah en plus, tu dis ça, mais ça te fait plaisir de nous avoir au téléphone toutes les semaines. Ah ouais, mais franchement, mais ouais, je m'ennuie et tout. Franchement, j'étais refaite quand tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit demain 11h, j'étais là, ouais. Après, du coup, on va te poser des questions, tu vois, plus typées, confinement. T'as capté? Ouais, j'ai capté, ouais.
Est-ce que au début du confinement, tu t'es un peu laissé aller, genre c'était les vacances, grasse mat, t'as fait des goûters tous les jours? Ou alors direct, c'était toujours mode saison sportive, tu t'es entraîné toujours pareil et tout? Bah, comme vous, je pense, non? C'est les vacances? Sauf que moi, c'était pendant un mois et que vous, c'est toute l'année. Donc voilà une saison de surfeur vue par Perrine Lafont. Hop hop hop, te défends Non, pas, on a rien dit nous. Non, franchement, je suis dingue qu'il ait pas marché cet enregistrement parce que vous auriez pu voir le vrai visage et le vrai quotidien de Jules et Cam. Ah, donc au début c'était vacances. Non, mais ouais, vu que du coup, nous on avait fini la saison, tu sais, quand la saison elle est finie, bah tu te relâches un peu, tu manges ce que tu veux, tu te couches tard, tu te lèves tard. Non, en vrai, c'était les vacances à Hawaï, quoi, mais pas à Hawaï. Et après là c'est reparti. Bah, un petit peu. Ouais, on a rattaqué un peu l'entraînement la semaine dernière. Ouais, donc ça veut Là, dire que maintenant tu mets un réveil le mat, c'est ça, rattaquer l'entraînement? bah, c'est un peu ça, ouais. Reparti au boulot, quoi. Pas comme certains, j'ai l'impression. Ce matin, Attends, quelle heure? Attends, j'ai fait un screen. Hein. Il savait que t'allais dire Je savais que t'allais dire Il ça. était genre Je savais que t'allais dire ça, 17h50. du coup ce matin, bam, tu vois pas, c'est. 17h59. Non, t'as vraiment fait un screen? Bah ouais! Attends, tous les matins on se lève, bam, séance, et après on enchaîne. Hein. Ouais, c'est vrai, bah, pas mal, bien vu. Mais au Bien début, vu. c'était un peu Ouais. vacances. Voilà, on dit. C'était un peu vacances, ouais. Et Et du du coup. coup, vous regardez quoi comme série? Vous êtes plutôt Netflix ou Canal? Mais on n'est pas du tout série. Et là, bah, avec ce petit confinement, c'est mis. Donc on a essayé Canal Série, Amazon Prime, Disney+, Netflix. On est resté sur Netflix. D'accord, pas mal. Et vous avez regardé quoi sur Netflix alors? Et ben on a découvert la Casa de Papel. Non, Je c'est te vrai? jure. Ouais. Alors bienvenue sur ce tuto série en direct avec Perrine Lafont. On était censé parler de sport à la base et puis finalement, Mais rien à non, voir. on s'en fout quand on parle. Ouais. Non, mais au bout d'un moment, c'est chiant le sport, c'est les mêmes questions tout le temps. Alors, tu t'entraînes comment? Tu Bah fais ouais, avec quelle heure? Tu fais quoi comme muscu? Bah présente-toi, c'est quoi tes perfs? C'est les trucs qui reviennent tout le temps Ouais, alors en DC, tu vois, je suis à quoi. 95. En demi-squat penché avant, je suis à 120. Attends. Ça c'est pas vrai parce qu'on t'a vu à la télé l'autre jour. Ouais, Et on t'a regardé donc. t'as dit 80 je crois. Quoi? Sur France 3. Ah oh, ben va. Bah tu Bon rigoles alors, ou quoi? Tu me je suis déranges en pas? séance de prod. Ouais, ça roule. Bah, t'inquiète, hein, ils s'ennuient pas, hein, ils ont fait une rampe de skate, ils sont montés à un canapé sur des roulettes. Ce qu'il faut, ouais. Et vous voulez pas lui faire une démo de votre high level en skate? Bah, ouais, chaud. C'est toi qui y vas, Jules? Ouais. C'était mieux. Ouais, là il pleut. Et je suis en claquette chaussette, hein. Ouais, en plus. Ouais. Enceinte, ping-pong. T'as vu? Ouais. Mais en gros, mais ils ont des trucs de muscu et tout, hein. Ils ont une barre et tout. Hein. Ah ouais, bien. Chérie, ah la ouais, télé le roche. développé couché, le vélo. Ouais, la télé. Le rameur. Pour les soirées Netflix. La télé, c'est pour regarder Perrine faire ses séances et les faire en même temps sur France 3. Ils se sont moqués de moi à ma séance, mon truc France Pourtant, 3. Un truc France 3. T'as vu, ils ont un QG et tout, les gars. Ouais, t'as capté, hein. Il est très engagé, quoi. Bon allez, après on va te demander des petits trucs là. Bah allez, Ben, tu fais avec du coup? Bah ouais, comme vous voulez. Allez, prends une chaise. Du coup, il va falloir qu'il se présente aussi, Ben. Il va falloir qu'il réexplique son sport aussi ou pas? Oui. Vous avez compris quand même. Bah Ben, du coup, on en profite. Tu peux nous présenter un peu tes perfs, hein? Et dire le sport que tu fais? Ouais, alors je fais du ski de boss. Ouais, comme Perrine. Comme Perrine. Voilà, copier-coller de ce qu'elle a dit. En performance, c'est pas un copier-coller par contre, j'ai fait 3e cette année en tout sur toutes les coupes du monde. Donc classement c'est carrément général. lourd, quoi. Donc c'est ouais, pas mal, content, 4 podiums en tout, donc Ouais, c'est j'espère faire carrément mieux lourd. encore l'année prochaine. Je suis bien motivé. Bon bah du coup, c'est quoi vos occupations pendant le confinement là? Est-ce que vous avez trouvé des nouveaux trucs, genre vous avez fait des puzzles, de la cuisine, des TikTok? Sur TikTok, hein. Ah bah Parce t'étais la que première. c'est vrai, Ouais. et parce que moi j'ai une commu sur TikTok, je vous en parle même pas. Bah on a vu, attends, t'as une vidéo. Ouais, 3,7 millions.
Avec le puzzle, bah justement avec le puzzle. Bah oui, du coup, c'est pour ça qu'on puzzle. Et vous mettrez le lien de mon TikTok, hein. Dans la description de la vidéo. Ouais, donc toi, Perrine, c'est puzzle et TikTok pour le confinement. Ouais, moi, c'est TikTok, voilà. Et toi, Ben? Moi, c'est pas de TikTok. Lecture. Ouais, lecture. C'est ça que j'ai les lunettes. Un peu de piano. Tu pourrais leur faire une démo de piano, quoi. C'est vrai que je pourrais vous faire une démo. Bah, je vous fais la démo maintenant. Ouais, fais la démo maintenant. Comme tous les grands pianistes, ça joue debout. Fais pas le genre, tu changes les trucs. Ah si, je change les trucs en plus. Bon. Et t'as aussi une chaîne YouTube, non, où tu fais un max de vidéos? Ouais, je fais des vlogs depuis genre un an et demi maintenant, je crois. Ça va faire 2 ans bientôt. Et ouais, où je montre un petit peu l'inside de ce qu'on fait pendant les compètes, ou même genre à côté, l'entraînement aussi qu'on peut faire. Et voilà quoi. Ouais, on mettra le lien de la chaîne YouTube juste là. Surtout, hein. Ouais, qu'est-ce que vous prévoyez le 11 mai, quoi? Est-ce que direct c'est balade, vous en profitez pour sortir? Mais moi du coup en fait j'ai des partiels le 11, 12, 13. Je suis pas vraiment déconfinée avant le 13, quoi. Ok, et toi Ben? Bah si c'est autorisé, j'aimerais bien me faire un petit tour de ski de rando. Ouais, voir s'il reste un peu de neige. Donc là pour finir, juste un mot pour la fin, tu vois, pour tous ceux qui nous suivent. Genre tous les surfeurs, tu vois. Bah Lulu et Cam c'est les meilleurs, franchement, c'est la dream team de rêve, tu vois. Ils sont juste incroyables, ils font des montages incroyables, ils font des vidéos qui sont incroyables aussi. Donc allez les suivre. On est tes idoles un peu, non? Ce que tu nous disais la dernière fois, je crois. Ah mais direct, j'ai un poster de vous. Donc on mettra les YouTube, les Insta de Perrine et de Ben. Et surtout le TikTok de Perrine. À la fin de la vidéo. Ça doit être une compile de conneries là, votre TikTok. Non, bon, pour l'instant il n'y en a que deux, mais il y a encore des conneries qui arrivent, ouais. Juju Cam TikTok, c'est celui-là là? Ouais, c'est ça. On dirait pas vous sur la photo. Bah non, parce que c'était quand on s'était fait des coupes de cheveux de compétition. Mais t'avais les cheveux roses. Ah bah ouais. Oui, c'est qu'on t'a pas dit ça. Bah non, c'est que nous pendant le confinement on a fait plein de conneries, hein. C'était pendant le confinement ça? Ouais. Bah non, mais pendant le confinement nous... Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on s'est tracté derrière une voiture en surf, avec le surf direct sur le béton. On a surfé sur le toit d'une voiture. On s'est fait des coupes de cheveux hyper lourdes. On a fait une grosse crête en fait, on s'est teint en rose. Et tout ça, on mettra la vidéo, on te montrera. Ouais, mais vous êtes des insane guys. Bon, bah, estimer pour les bons moments, hein. Ouais, bon, c'est... on aura rigolé là. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'on aura rigolé. Il faut quand même dire aux personnes qui vont visionner cette vidéo qu'ils ont été vachement sympas, parce que la première vidéo qu'on a tournée, ils ont accepté qu'on la fasse pendant que j'avais une séance de 2 heures de vélo à faire. Donc voilà, ils m'ont accompagné dans ma souffrance et franchement, merci à eux. Non, c'était un plaisir, t'inquiète pas. C'était un plaisir partagé. faut que tu dises à tes followers de commenter sur YouTube s'ils veulent te voir sur un surf. Ah ouais, sur... oh, bah, merci les Et puis bon, sur YouTube, ciao. Chacun live. Bye. Allez, à tout. Ciao. Bon bah voilà, c'était carrément trop cool d'avoir Perrine. En plus, en guest, on a eu Ben Cavé aussi qui cartonne mais méga sur le skateboard. Bah, apparemment, ils sont carrément trop chauds pour venir surfer, donc mettez à fond en commentaire si vous voulez qu'ils viennent surfer. Mettez aussi à fond en commentaire si vous voulez que nous, on aille skier. Il y a vraiment moyen de rigoler, je pense, parce que c'est des bons délires ensemble, donc voilà, c'est top. Et maintenant, on va appeler Mathilde Gros, qui est une très grande championne en cyclisme sur piste. Vraiment un carton de ouf en ce moment. Plusieurs titres de champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Là, on vous envoie une vidéo pour la présenter. Et après, bah, elle va se présenter elle-même. Ça sera bien mieux que si on le fait. Allez, on envoie la vidéo. Woo! Salut Mathilde! Salut! Bah si tu peux vite fait te présenter ton sport et ton palmarès, tes meilleurs titres. Un peu tes plus grosses perfs du moment, quoi. Voilà, pour les gens qui te connaissent pas. Moi je m'appelle Mathilde Gros, j'ai 21 ans. Je fais du cyclisme sur piste, alors que c'est pas très connu, mais spécialement sprint, en fait je tourne dans les anneaux, là, sur les anneaux qui sont un circuit fermé, où moi c'est vraiment du sprint et on va pour les filles 70 km/h à l'heure, pour les mecs 80-90. Et voilà, je fais du sprint et du kérine en spécialité. Mes meilleurs perfs, c'est j'ai été 3 fois championne du monde chez les jeunes
J'ai été 7 fois championne d'Europe chez les jeunes et à peu près 10 fois championne de France en tout. Là, chez les élites, j'ai été double championne d'Europe en keirin. J'ai fait des médailles en sprint en Europe et j'ai terminé l'année dernière 3e au championnat du monde en sprint. Voilà. Donc c'est pas rien. Après, c'est plus par rapport au confinement. Tu as eu des compètes qui ont été annulées. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir terminé ma qualif olympique. C'était fin février, début mars. On a eu le championnat du monde à Berlin. Et dans la foulée, en fait, il y a eu l'histoire du confinement. Donc, c'est vrai, j'ai eu assez de chance comparé à certains sports. En fait, nous, c'était fin de saison. Et en fait, la prochaine compète, c'était les Jeux. Je vois le côté positif, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. Est-ce que quand tu as eu le confinement au début, tu vois, tu t'es un peu laissé aller, genre c'était grasse mat et tout, vacances? Ou alors, dès le début, tu étais à fond dans la prépa? Je suis pas du tout, genre, lève tard, couche tard. Donc, c'est vrai que dès le début, en fait, vu que j'avais fait 2 semaines où j'avais bien mangé, où j'avais pris bien du poids et tout, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, allez, là, je me remets direct dans le truc parce que sinon, ça va être mortel, quoi. Donc, tout de suite, j'ai repris mes habitudes de sportive, en fait, on va dire, dès le début. Et donc, il n'y a pas laissé aller, alors? Non. Non, les dimanches, oui, les dimanches, tu vois, par exemple, les dimanches, c'est tous les dimanches, c'est pain au chocolat et croissant le matin. Ah, mais comme nous, c'est ça. Le dimanche, c'est la journée où, franchement, là, on peut manger, bah voilà, on se fait plaisir, parce que sinon, tu pètes un câble, c'est pas possible, quoi. Ouais. Voilà, je me dis, au final, j'en profite ce confinement pour travailler des choses où j'ai pas l'habitude de travailler et tout ça. Et puis, j'ai de la chance d'être chez mes parents qui ont un très grand jardin et d'être sud. Donc il fait très beau là, grand soleil, 25 degrés, ouais, j'ai cette chance là, voilà, vous me comprenez, donc du coup j'ai de la chance, mais j'arrive à quand même très bien m'entraîner, quoi. Nous aussi on est bien sur l'île de Ré, mais le problème c'est qu'on a la mer juste à côté, mais on n'a pas le droit d'y aller, on entend les vagues de la maison. Ouais, ça, par contre vous êtes tentés tous les jours. Donc on entend les vagues, on sait qu'il y a des vagues parfaites, mais on ne peut même pas les voir, on ne peut pas les surfer, rien. Ah ouais, ça c'est la louche, quoi. Ouais. Nous en vélo, je sais, bah on n'a pas le droit de faire des sorties sur la route. Donc bah nous c'est sur notre entraîneur. Ouais. Donc quand vous avez des sorties de 2h, 2h30, c'est fou. Ouais. C'est long, hein. Avec mes parents, on s'est refait les Seigneurs des Anneaux, quoi. Ouais. Moi j'étais sur mon entraîneur et puis regarder la télé en même temps, comme ça fait passer le temps, quoi. Bah après pour t'occuper, du coup, c'est oui. Série tout ça, ou il y a des trucs que tu fais, genre puzzle. Voilà, la lecture et puis la cuisine. Ça, oui. Et les challenges? T'en as fait un peu ou... J'ai fait un challenge avec la FDJ Sport Factory. Là, j'avais fait le challenge. Il fallait lancer un défi à quelqu'un. Moi, j'ai lancé un défi à une boxeuse. Et j'avais dû réaliser aussi un défi. Et puis, j'ai fait le challenge de la corde à sauter, là, de tes guérineurs. Bon, je suis trop nulle. Hein. En même temps, vu le poids de mes jambes, putain, pour soulever ça. Là... Le 11 mai, là, toi, tu pars direct pour une sortie ou pas? Le corona, quand même, qui est assez grave. Vraiment pas envie de le choper, que ce soit par rapport à moi, mais aussi à ma famille, parce que ma sœur, elle est asthmatique, par exemple. Donc, c'est vrai que partir à vélo, oui, pourquoi pas. C'est vrai que je ferai mes sorties sur la route, sûrement. Après, je pense qu'en plus, tout le monde va se ruer un peu, enfin, ouais. Tout le monde va sortir. Bah ouais, et je pense que c'est là où, au final, tout le monde va se refiler la merde, quoi. Ouais, donc, je me dis, limite, j'attends, on attend chez nous, et puis on verra comment ça se passe. Et on reprend l'entraînement à Paris, normalement, le 15 juin. Donc, en fait, j'ai encore un mois et demi chez mes parents, donc au final, je vais continuer sur ma lancée, quoi. Ouais, ouais. Le 11 mai, nous, on veut être dans l'eau, aller surfer direct. Bah, c'est bien beau, les rampes de skate dans le jardin, mais je pense que, ouais. On avait marre, quoi. T'as un petit mot à dire Alors pour tous les surfeurs qui regardent, c'est vrai que moi je suis pas très douée en surf, hein, mais en tout cas, je les comprends et que moi aussi j'aimerais bien retourner sur mon anneau là, prendre les sensations de vitesse et tout ça, mais qu'il faut rester patient, rester soudé et puis bientôt vous pourrez retourner sur vos vagues. Et quand tu dis t'es pas très forte en surf, t'as déjà essayé? J'ai essayé, mais à mon niveau, genre en famille, quoi. C'était casse-gueule, quoi. J'ai pas trop le sens de l'équilibre, en fait, je pense. Donc, mais j'aimerais bien essayer un jour, en vrai. Si un jour je peux venir sur votre île, je viens, je vous dis, comme ça, vous m'apprenez à faire du surf, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout agile, en fait. J'ai l'équilibre pour tenir sur mon vélo, mais la planche de surf... Mais ça va, on a des grosses planches, là, tout ce qu'il faut pour apprendre, on a des planches faciles. Ouais, limite, faudrait mettre des bouées, moi, sur les côtés. on pourra rajouter tout ce que tu veux. C'est plus stable. Bon, c'est cool. Mais alors, merci beaucoup. Et par contre, en échange, faut que tu nous fasses essayer le vélo. Ah, ça marche, pas de soucis. Quand vous voulez, vous venez à Paris, y a pas de problème, vous faites essayer la piste.
Moi j'ai déjà vu, je suis venu à l'INSEP une fois, j'avais un pote qui faisait du plongeon là. Ah ouais. Il m'a fait plonger du plongeon à 5 mètres. Et j'avais tout visité, j'étais venu voir la piste. Ah bah ouais, bah, c'est vrai que l'INSEP elle est vachement. C'est la plus dure d'Europe. J'avais vu la pente là comme ça là. Ouais, non, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Même nous, qu'on roule dessus, on n'aime pas trop remonter tout en haut et voir ce que ça donne. Quoi. Ouais. Mais avec tes conseils, on y arrivera, hein, c'est bon. Bah oui, vous surfez sur des grosses vagues, ça va. Bah en tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à suivre Mathilde sur son Instagram. On va le mettre juste là. Ouais, on mettra ton Insta sur la vidéo. Ça marche, merci, t'es gentil. Et il faut que tu nous fasses un gros chaka aussi. Voilà. Tu t'es mis à TikTok ou pas, toi? J'ai essayé, parce que pour Adidas, il fallait faire un truc, mais j'ai pas réussi. Parce que là, c'est le truc du moment. Non, parce que nous aussi, du coup, on vient juste de s'y mettre. Enfin, j'ai mis l'appli, je comprenais rien du tout. Mais moi aussi, mais j'ai pas réussi. Ouais, je suis d'accord. J'ai cherché sur TikTok, j'ai rien compris. Ouais. J'ai rien compris. J'ai posté une vidéo et en plus, je savais même pas que je l'avais postée. Franchement, le truc catastrophe. Bon courage pour cette fin de confinement. Ouais. Bah, merci, toi aussi. Merci, bonne journée. Ouais, allez, ciao. J'espère que ce format vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous a bien plu d'appeler Mathilde et Perrine. Bah, comme vous avez pu le voir, du coup, elles s'occupent, elles font du sport, elles se trouvent des objectifs, elles prennent leur mal en patience parce que elles veulent aussi retourner faire leur sport, bien sûr. C'est dur pour tout le monde. Et dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on le fasse avec d'autres sportifs, si vous avez des idées, mettez dans les commentaires. Nous, on a quelques idées de potes champions à appeler. On proposera sûrement un épisode chaque samedi pour savoir comment les sportifs vivent le confinement. Et du coup, comment ils ont vécu le déconfinement. Aussi, parce qu'on sera dans le déconfinement bientôt, on espère. Ouais. Et après, s'il y a pas mal de nouveaux là qui nous découvrent grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir un peu d'autres vidéos pour voir un peu tout ce qu'on fait. Et si ça vous plaît, à vous abonner. Voilà, on essaie de faire plein de trucs marrants, de vous montrer nos sports, de vous faire découvrir d'autres sportifs. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et après, dites-nous dans les commentaires si ça vous dirait qu'on fasse une petite vidéo où on va rencontrer les sportifs. Donc dès que ça sera possible, bien évidemment. Mais ça pourrait être sympa, on va voir Perrine. Ouais, carrément, parce que là, on les appelle. Ouais, mais après, il va falloir passer à l'action. C'est ça. Donc dites-nous vraiment si vous voulez nous voir sur les skis avec Perrine. sur les bosses, entre les bosses. Et après en vélo, sur la piste. En tout cas, nous on est super chaud, ça nous motive à continuer les vidéos, c'est top. Et on espère voir Perrine et Mathilde sur des surfs hein, aussi quand même. Ouais, carrément, faut dire dans les commentaires. Fallait les suivre sur Instagram, donc on met le compte de Perrine juste là, le compte de Mathilde en dessous. Et à nous suivre sur Instagram, donc on met nos comptes juste là, notre compte TikTok. Abonne-toi, active la cloche, regardez dans cette vidéo et on se retrouve à la vidéo de mercredi. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, c'est qu'il reste toujours un skate à gagner. Jusqu'à mercredi prochain. Donc surtout si vous voulez participer et gagner un skate, c'est toujours le moment sur la vidéo d'avant. Lundi 11 mai, normalement déconfinement. On sait pas encore si on va pouvoir aller à l'eau ou pas. On attend la décision finale. Et à votre place, je serai présent pour la vidéo de mercredi parce que il y aura peut-être un petit truc. Allez, à mercredi prochain. Ciao.